Wow. Donc, bon matin, bon matin, bon matin. Bon début de congé. Bon long week-end. Je suis avec Chantal ce matin. Et notre spécial est sur la multivitamine La Totale. Je trouve ça tellement pertinent qu'on parle depuis un bon matin, qu'on parle d'anxiété autant que ça, hein, ça revient souvent, le thème. Mais je trouve que c'est dans l'air, évidemment. Puis si vous trouvez des solutions en alternative avec votre suivi médical et tout ça, si vous pouvez être supporté là-dedans avec nos formules, sauf qui peut, il y a 2 jours, là aujourd'hui, La Totale, et je le sais très bien que lorsque j'ai demandé à Jean-Yves, le pharmacien, de formuler cette totale, c'est ce qu'il m'avait dit. Coucou! Allô! Yes! Comment tu vas? Ça va bien, merci toi. Oh, ça va super bien. Très heureuse de te retrouver. Oui, moi aussi. On a eu des beaux chapitres ensemble. Là, je suis contente de ce que tu vas nous partager ce matin aussi. Et toute ta famille va bien, Chantal? Oui, tout le monde va bien. Tout le monde est top shape. On est content, l'école est finie. Oui! Le billard. La fête, oui, effectivement. Oui. Tu veux nous parler de la multivitamine? Je suis très, très, très contente. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, avant Noël, Oui, bien, avant Noël, c'est ça. Il y a eu des... Comme toute maman, là, on a des périodes, des fois, parce qu'on en... On absorbe, on absorbe, on absorbe, on absorbe, puis on s'oublie carrément. Puis j'ai eu mon garçon, mon plus vieux, il a pu avoir son diagnostic, puis là, ça a été mieux, mais j'avais beaucoup de difficultés avec comment le comprendre, comment il agissait, puis qu'est-ce qu'il fallait, comment je pouvais l'aider. Tu sais, c'était ça le plus difficile. Puis après ça, ben pendant ce temps-là, ben comme d'habitude, mon mari n'était pas là, fait que j'étais vraiment tout seul. Donc, ton mari est dépêché, il travaille, tu sais, puis c'est, je vous ai rencontré à Emme, et on le salue. Et tu as 3 beaux enfants. Oui, exactement. Et tu accompagnes toi-même des enfants. Oui, des fois, on dit qu'on est, le cordonnier mal chaussé. Mal chaussé, oui, parce que je peux aider les parents, mais quand ça est venu à moi, c'était une autre histoire. Moi aussi, j'avais besoin de conseils, puis de... C'est tout à fait normal. Oui, puis ça a été... puis en même temps, pendant ce temps-là, mon German Shepherd était très, très malade. Puis si on me connaît, c'était un autre de mes enfants. Puis en tout cas, il y a eu plein comme de choses qui est venu. Puis on n'avait pas de vétérinaire. Puis je cherchais un docteur pour mon chien, un docteur pour mes enfants, parce qu'on sait que c'est très difficile de tout trouver en même temps. Puis c'est ça. Puis je me suis comme oubliée carrément dans ça. Puis j'étais en dépression. Mais en tant que maman, en tout cas, pour moi, la façon que je l'ai vécu, c'est que j'avais une poker face. Ça paraît, personne ne pouvait le voir que quand j'étais ailleurs, quand j'étais chez nous, que c'était très, très difficile pour moi. Parce que j'ai continué à travailler. La seule chose, c'est le monde était comme « Oh, wow, félicitations, tu perds du poids, donne-moi ton truc, c'est le fun. » Puis là, finalement, un soir, j'ai appelé mon docteur, puis j'ai dit « Ça fonctionne vraiment, mais vraiment pas. » Et c'est quoi tes symptômes? C'était quoi? Comment tu te sentais Moi, c'était vraiment, je me remettais tout en question. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Puis, j'étais pas capable de dormir du tout, du tout, du tout. Peu importe, là, tout ce que je pouvais prendre, je dormais pas du tout. C'était comme mon hamster arrêtait pas. Puis, j'ai oublié de manger. Puis là, un moment donné, dans la journée, je me mettais à shaker, vraiment shaker. Puis là, je me disais, oh, faut que je mange quelque chose. Puis là, je mangeais n'importe quoi, mais je mangeais... Comme dans 3 mois, j'ai perdu 51 livres. Mais c'est ça, ça a été trop drastique. Puis là, vers novembre, le docteur m'a prescrit des pilules. Il m'a dit vraiment la dépression avec le... ils ont comme un petit questionnaire à répondre. Puis elle a dit, c'est la dépression totale. Elle voulait m'arrêter de travailler, sauf que moi, c'est
travailler me faisait oublier comme mes petits pépins. Fait que j'ai pas arrêté de travailler. Fait que ça passait comme dans du beurre. Personne n'a remarqué. Personne de ma famille le savait. C'était comme... C'était plus pour moi. Puis le fait que je maigrissais. Tu sais, on a des vies tellement remplies que s'il y a quelque chose qui se passe qui vient perturber notre horaire, c'est là qu'on se retrouve, qu'on n'a plus le temps. On n'a pas le temps d'être malade, on n'a pas le temps d'avoir autre chose que notre vie qui est déjà bien remplie. Fait que c'est on a le travail, les lunchs, la danse pour ma fille, le hockey pour mon garçon, comme les rendez-vous qui n'arrêtent jamais, dentiste, coiffeuse, peu importe, j'ai pas arrêté. Puis avec les pilules, c'est ça, j'ai eu mes pilules de dépression, mais vu que j'avais comme un peu de surpoids, on m'a juste dit, ah, correct, fille, tu perds du poids, tant mieux, c'est facile pour toi, tant mieux. Puis mon docteur m'a jamais parlé, elle m'a juste dit, on va guérir ta dépression, mais on m'a jamais dit qu'en mangeant pas, puis tu le réalises pas, que ton corps est en mode survie. Il va chercher qu'est-ce qu'il est capable d'aller chercher, puis il va shut it down, qu'est-ce qui est pas utile. Donc, le fait que j'avais plus assez de vitamines, j'avais pas assez, mettons, de magnésium, de B12, de peu importe tout ce que j'avais pas, parce que la seule chose que je mangeais, c'était des raisins. Puis, je me prenais un protein shake, tu sais, pour être sûr d'avoir quelque chose de base. Puis, mais avec les médicaments, ça allait mieux. Je mangeais pas plus, mais j'allais mieux, j'étais capable de vivre. Sauf qu'en janvier, c'est là où ce que ça, comme le fait que j'ai tout fait ça, en fait, je me suis lavé les cheveux et j'ai sorti une poignée de cheveux comme je me suis fait un trou ici. Je lavais mes cheveux puis j'ai fait ça puis mes cheveux ont resté dans mes mains. Puis là, c'est comme là, c'est encore pire. C'est comme une fille, on fait nos cheveux. Puis tu sais, moi, j'avais épais de cheveux puis c'était toujours été comme, tu sais, Chantal, elle a des cheveux, il n'en manquera jamais, même si tu t'en perds, mais là, j'y perdais. Puis là, j'avais des trous comme ici en avant, en arrière, fait que j'ai fait couper mes cheveux comme très, très court. Puis la coiffeuse, elle a essayé de tout placer ça pour que, tu sais, que je puisse pas trop que ça paraisse. Puis là, c'est ça. Comme j'ai commencé à lire, j'ai manqué de vitamines. Mais je ne voulais pas m'en rajouter. Je ne voulais pas, tu sais, j'ai déjà comme 4 pilules à prendre pour ma dépression. Puis, tu sais, comme le matin, c'est pressé, puis je voulais pas. Puis là, la totale, moi, je l'avais achetée pour mon chum avant Noël parce qu'il y a eu une grosse sinusite qui ne passait pas. Mais qui passe, puis il n'y a pas le temps d'être malade. Quand il est parti, il n'avait pas été les médecins, il n'avait pas regardé. Son unité était comme, mais c'est que tu as pris ça parce qu'il faut qu'il fasse approuver. Les autres, parce que c'est ça, il faut qu'il fasse approuver, faut qu'il fasse approuver pour être sûr que ça ne peut pas nuire à sa vision. Peu importe, même si c'est des vitamines ou des choses comme ça avec l'hélicoptère, c'est comme, il faut que le docteur approuve. Oui. Puis lui, il avait vu ça, puis il avait fait, waouh, c'est quoi ça, tu sais? Ouais. Cette vitamine-là, OK. Et c'est vraiment tout condensé. Puis lui, il n'avait pris juste 2 pendant une semaine. Puis ça faisait au moins un mois qu'il était malade, ça passait pas. Puis une semaine, ça a popé up. Puis là, il voulait plus en manquer avant Noël. Mais tu sais, encore une fois, on pense à tout le monde. Puis là, après ça, moi, j'ai commencé, c'est ça, en janvier. Je pense que c'est comme... Comment on va s'assurer que notre chum, nos enfants ont ce qu'il faut? Oh, oui. Okay. On veut que tout le monde soit correct. Après, c'est nous. Puis, c'est ça. Là, j'ai commencé. Puis, après 3 semaines, tu sais, ma dépression était contrôlée. J'avais pas autant d'appétit, mais tu sais, je mangeais, puis j'avais un fonctionnement, j'étais capable de dormir. Sauf que, comme j'avais marqué, ma peau restait terne. J'avais, tu sais, là, je perdais mes cheveux, j'avais besoin. Puis, après 3 semaines, avec la multivitamine, 5 vitamines par jour, puis c'est juste ça. Juste ça. J'ai rien pris d'autre, puis mes pelules de dépression. Puis j'ai monté vraiment, vraiment rapidement avec les vitamines. Puis tu sais, j'ai continué. C'est quand tu perds tout que tu,
tu vois à quel point que les vitamines sont importantes puis que tu peux pas trouver le bon montant dans les aliments. Peu importe si tu veux manger santé, tu peux juste pas. Il y a quelqu'un qui nous a dit justement qui est passé, je pense que c'est la semaine dernière qui est passée, puis c'était elle avec la fontaine de jouvence qui est passée par un épisode là. Désolée si je me souviens pas de tous vos noms, puis je voudrais pas vous mélanger non plus, mais qu'elle était passée comme ça par une dépression, si je me souviens bien, puis elle sentait que son corps était dévitalisé, dévitaminé. Oui. Qu'en prenant, elle, c'était la fontaine de jouvence, donc avec une multitude aussi, mais de minéraux, de vitamines, mais dans la boisson, si on veut. Elle c'était comme, là, tu sens que tu te reminéralises, revitalises, là, tu sais, avec les vitamines. C'est comme ton corps peut aller chercher qu'est-ce qu'il y a de besoin, finalement. Parce que là, qu'est-ce qu'on m'a expliqué, le docteur, c'est que les cheveux, c'est comme, c'est tes organes qui doivent vivre, qui doivent tout prendre, puis tu sais, le reste, c'est surplus. Fait que le corps, il va arrêter de le fonctionnement, mais tes organes, il faut qu'ils survivent. Ça nous avait bien été expliqué par le pharmacien Jean-Yves. Et Sonia, on parle de la multivitamine La Totale, qui est en spécial aujourd'hui. Et pour relier l'histoire de la multivitamine à la tienne, à ton histoire, Chantal, c'est que moi, j'avais demandé, et pour l'histoire des cheveux, juste pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est que ce qu'il nous avait dit, et c'est une hypothèse qui avait été émise là, c'est que de façon, tu sais, par un spécialiste de la santé, des scientifiques, c'est que notre corps va aller chercher les vitamines, les minéraux dont il a besoin pour vivre, tu sais, pour sa survie. Les cheveux, la peau, les ongles, ça passe dans un deuxième temps. Et c'est pour ça que c'est si pertinent de savoir est-ce qu'on a des ongles en santé, est-ce que notre peau est en santé, est-ce que nos cheveux sont en santé aussi, parce que si on manque de quelque chose rendu là, ça peut vouloir dire qu'il nous manque quelque chose dans notre métabolisme. Donc, c'est pour ça que oui, par exemple, le collagène, on va le prendre, ça va aider à nos articulations, à atténuer les douleurs. Puis après ça, notre corps peut l'utiliser pour la peau, les cheveux, tout ça. Donc, et quand j'ai demandé à Jean-Yves, le pharmacien, de nous formuler une vitamine complète, j'ai dit, c'est quoi toi que tu aimerais, toi, pour toi, comme vitamine? Et qu'est-ce que tu aimerais, parce qu'il fait des consultations, qu'est-ce que tu aimerais proposer à tes clients? Puis il dit, ça peut remettre, je sais que ça coûte, mais là, profitez-en aujourd'hui parce qu'elle est à 52$ au lieu de 65$. Il y a 62 allégations thérapeutiques. Ceci n'existe pas. Et c'est pour ça que, oui, le médecin qui a vu ton chum est passé, mais toutes les allégations se retrouvent, ben une partie, mais voici la formule. Et les allégations se retrouvent, une partie sur les étiquettes, le reste sur le site. Et il m'avait dit, ceci peut remettre sur le bouton, là, je sais pas. Oui. Quelqu'un qui est à terre, autant, je me souviens qu'il m'avait dit, autant mentalement ou psychologiquement que physiquement. Donc, et la posologie, là, ne vous surprenez pas, c'est de 3 à 5 par jour, parce que il y a tellement de choses dedans que c'est difficile, on peut pas mettre, tu sais, l'ensemble des ingrédients dans un comprimé. C'est à croquer. Oui. Et ça goûte santé. Ça goûte santé. Ça goûte les herbes et les plantes médicinales et les vitamines. Ça goûte ça. Tu sais, c'est pas du bonbon là, mais c'est pas mauvais. Non. C'est juste qu'on s'installe. Et oui, il faut les prendre les 3 à 5 en même temps. Oui. Ton témoignage est tellement pertinent. On en a eu. Vous pouvez aller lire ce qu'on a mis. Et je me souviens, Marie-Christine, elle aussi traînait quelque chose avant les fêtes. Marie-Christine travaille avec moi. Puis, à un moment donné, elle avait écouté, je pense que c'était un direct qu'on avait fait sur la méthylfolate qui, moi, ça m'a allumé quand j'ai entendu l'effet de la méthylfolate. Et vous allez aussi l'entendre dans les prochains jours. Méthylfolate, ce que ça peut faire sur notre bien-être
complet, autant nous que nos plus jeunes, les jeunes adultes là, qui ont de la difficulté avec leur morale aussi, leur humeur. La dose de méthylfolate est justement appropriée. Méthylfolate, c'est la version active de l'acide folique, de la folate. Donc, la version méthylée, c'est la version qui peut être métabolisée par notre système. Et on en a besoin. On a besoin de ça pour bien fonctionner. Et on, tu sais, souvent, la nourriture enrichie va être enrichie avec de l'acide folique. Et un grand, grand, grand pourcentage de la population ne peut pas métaboliser l'acide folique. Donc, se retrouve avec des excès. Puis, si vous regardez des fois des étiquettes de lait enrichi, vous allez avoir 800% de cette vitamine qui ne peut pas être transformée dans 800% de nos besoins quotidiens. Ça ne peut pas être transformé, métabolisé, donc ça s'accumule. Et on a besoin de la méthylfolate. Donc, il y a vraiment un paradoxe dans l'alimentation qu'on retrouve et dans les besoins nutritifs de chacun avec cette méthylfolate. Donc, ça peut remettre. Et Marie-Christine aussi, la première journée, elle en avait pris 3. Puis après ça, la journée qu'elle en a pris 5, dans l'après-midi, elle s'est retrouvée vraiment comme elle le fait voyante. Et ça faisait longtemps qu'elle traînait, je me souviens plus. Mon chum, dans le fond, tu sais, il était où, donc? À Gagetown dans ce temps-là, puis c'est ça, ça faisait un mois qu'il traînait sa grippe, puis ça continuait, puis juste avec ça, il a pris la multivitamine, puis ça l'a... Puis je ne sais pas pour quelle raison, je pense qu'il était venu en spécial aussi dans ce temps-là, j'avais vu un live, puis j'ai fait envoyer... sur la base là-bas, puis ça, après une semaine... Peut-être que c'était... parce que ça fait pas longtemps qu'on l'a... Ça a été compliqué, autant pour recevoir les allégations thérapeutiques. Mais, tu sais, il y a des vitamines, oui, il y a aussi des minéraux, mais il y a aussi des composantes très pertinentes et qu'on a de besoin. Et que, par exemple, on va retrouver une absence de ces composantes-là dans les personnes qui souffrent de dégénérescence, de l'Alzheimer et tout ça. Donc, on va retrouver ces composantes-là ici. Et c'est vraiment complet, là. Tu sais, c'est super. Qu'est-ce que j'aimais? Parce que c'est de tout concentré, puis c'est 5 pilules par jour. T'as pas plein de pots de pilules à traîner. T'as juste ça. C'est qu'est-ce que j'adore. Il manque les omégas. Les omégas, c'est de l'huile, tu sais, donc on ne peut pas les mettre là-dedans. C'est pour ça que moi, je vous dirais multivitamine la totale, oméga, avec l'astaxanthine peut-être, là, parce que ce sont les deux formules complémentaires extraordinaires que j'avais demandé aux pharmacies. Mais présentement, ce que je prends, c'est la multivitamine, la totale, oméga 3 avec astaxanthine, puis magnésium. Ah, bravo. Ça pour moi, là, ça a fait un changement. J'ai plus de trous. Ça a recommencé à pousser. J'ai une façon de placer mes cheveux, mais j'ai quand même des petits bébés cheveux qui poussent. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'avais les cheveux ici, là. Fait que, tu sais, j'ai eu un bon ça qui a poussé, là. Mais c'est Doris, c'est ce que. Tu sais, je le sais. Parce que Doris demande, est-ce que maintenant tes cheveux repoussent? Donc, t'as pris ça quand même, puis comment vont tes cheveux? Et là, on est content. Donc, Mary, oui. Tu sais, mais c'est l'expression de notre bien-être, à quelque part, nos cheveux. Oui. Et en même temps, ça peut jouer sur notre stress quand on les perd. Oui. Peut nous les faire perdre, puis en même temps, ça peut... nous disent de ne pas stresser, mais tu sais, comme je prenais des photos pour les envoyer à mon docteur, puis elle était, c'est pas grave, ça va repousser, il faut juste laisser le temps. Mais j'étais, non, ça ne fonctionne pas, là. Je suis pas assez vieille pour plus avoir de cheveux sur la tête. Non, je comprends. Et Carole qui dit, est-ce qu'on peut les prendre à 70 ans? Évidemment. Et Sonia dit que dès qu'elle prend la super vitamine, elle ressent les bienfaits tout de suite. Moi, tu sais, quand j'ai, en période de froid, par exemple, je vais en prendre 5. Là, tu sais, moi, j'alterne entre soutien santé et celle-ci. Donc, sinon, ça serait 3, j'en prendrais pas 5. 5, j'en ai pris 5 pour me maintenir
tu sais, quand tout le monde était malade, puis quand il faisait froid, puis quand tu sais, puis je le sais aussi, même si je vis des bons stress, je sais que je suis stressée aussi. Oui, je pense qu'il y a tout le temps une petite affaire qui arrive, qui nous... c'est tout ce qui se passe. Oui. Puis, comment naviguer dans ce chemin-là du naturel, tu sais, dans une... Ah, comment dire, tu sais, dans une pression pas évidente, en tout cas, je veux pas me lancer. Non, c'est ça, c'est... On fait juste sortir un petit peu, puis on... Il y a tant quelque chose... On peut pas stresser, même si on nous dit de stresser, de pas stresser, on peut pas. C'est comme impossible dans notre vie, en général. On aimerait ça, mais juste ce matin, on m'a partagé des informations, puis tout de suite, là, ça me jambe dans le cou, là. Fait qu'on, là, j'ai du merci Gaultéry en ce moment. Oui. On se parle. Bon, il y a du magnésium, mais pas, tu sais, il y en a comme le minimum, 64 mg. Faites fois 3, fois 5, parce que c'est la postologie, c'est ça, 3 ou 5. Donc, regardez, moi, je sais très bien que j'en prends aussi en plus. Je prends 3 capsules de magnésium par jour. J'ai besoin de ça. On perd du magnésium lorsqu'on est stressé. Et on a besoin du magnésium pour se détendre. T'sais, fait que là aussi, c'est vital. Fait que Ginette pose la question. Oui, moi, je prends une fontaine de jouvence. C'est un aliment. Et ça, comme je le disais hier, ça me nourrit. Je ne peux pas ne pas en prendre. Et j'ai mon collagène. Bon. Vitamine C, c'est une des seules vitamines qu'on élimine. Donc oui, il faut en reprendre. Mais on en a dans la fontaine de jouvence aussi. Donc, tu sais, mais oui, c'est pertinent d'en prendre, surtout peut-être par froid. Magnésium, comme je viens de le dire, moi, j'en prends quand même en plus. Les omégas ne sont pas compris là-dedans, donc oui. Et après ça, l'huile TCM, c'est pour nous aider avec l'énergie. Oui, il n'y a pas de tu sais, on peut, c'est complémentaire. Et les champignons adaptogènes aussi. Donc, ce n'est pas trop... Tu sais, regardez vos besoins. À ce prix-là, peut-être, c'est bien d'en avoir aussi. Tu sais, parce que ça ne reviendra pas au projet d'été. Donc, 52 $, il y a combien? Il y en a 100 dedans. Tu sais, c'est vraiment un outil extraordinaire. Tu sais, toi, en combien de temps tu as vécu ton changement? Tu es revenu en combien de temps? Moi, j'ai vu en 3 semaines moi-même parce que j'étais cernée. Tu sais, mes yeux étaient cernés, mais tu sais, personne va te dire « Oh, t'as de la... » Tu sais, comme, ils vont pas juger. C'est difficile, mais puis ma peau était... Je sais pas comment dire. En vrai, j'étais grise. J'avais pas... Moi, je disais que ma joie de vie était partie. Mais tu sais, en 3 semaines, moi, j'ai vu que quand que je lavais mes cheveux, que j'ai... Tu sais, c'était... Je n'avais beaucoup moins qui tombait. Puis, tu sais, la normalité des choses, là. Puis, ma peau, tu te sens plus apaisée. Tu te sens, tu sais, que tu peux respirer. Je sais pas, tu sais. Puis, j'ai pas été malade non plus. Quand on parle de maladie, j'ai même pas eu la... Tu sais, normalement, je travaille dans une école, fait que normalement, tu sais, le secondaire ne lèche pas les murs autant, là, mais, tu sais, il y a toujours quelque chose qui passe. Puis, j'ai pas été du tout malade. Charles, moi, il y a, tu sais, je veux dire, là, à la fin, je sais, ce qui a attrapé, je sais pas d'où ça venait, mais c'était, tu sais, lui, en 4 jours, il a perdu, je pense, 16 livres, tu sais, tu fais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? On est loin, mais ça l'a passé ici aussi, les élèves, ils manquaient une semaine, puis ils revenaient tout amaigris, puis là, ils étaient comme, madame, j'ai vraiment, mais vraiment été malade. On le sait, on dit, oui. Donc ici pour les cheveux, c'est sûr que il y a beaucoup, mais il y a de la silice entre autres là, avec tu sais qui est stabilisé par de la, je sais pas si c'est colline ou choline, tu sais, je me trompe toujours entre les deux, fait que je suis désolée. Puis vous avez du sélénium là-dedans, vous avez de l'iode, vous avez de l'extrait de pépins de raisin, donc du resveratrol, de la lutéine, de la astaxanthine. C'est assez épatant. L'inositol, la choline ou colline aussi. Les vitamines, vous les avez toutes, mais en version méthylée. Et c'est là où, et quand vous entendez
ou que vous lisez des spécialistes de la santé qui sont pertinents aujourd'hui et qui parlent et qui connaissent les suppléments, les vitamines, les minéraux, tout ça, ils vont toujours mentionner, prenez une version méthylée. Parce que malheureusement, sinon, souvent, ça ne peut pas être métabolisé. T'sais? Donc, on veut que ça soit, on veut que ça soit et que ça fasse une différence. C'est ça, ça fasse une différence. Moi, comme l'oméga 3, je l'ai rajouté en mars environ. Ah. Fait que oméga 3 en mars, puis le magnésium en mars aussi. Magnésium, tu sais, encore une fois, pour, tu sais, quand on regarde ce qui va être pertinent pour se déstresser, le magnésium est toujours là. Oui. Le complexe B aussi. Donc, les vitamines B méthylées, tu sais, font partie de l'équation. Il y a du magnésium. Encore une fois, il y en a ici, là. Tu sais, donc, mais je sais que des fois, dans des situations plus soutenues, reste. Oui. Ça peut, tu sais, en prendre une ou deux de plus, c'est pas... Oui. Natacha, bonjour les femmes, je viens d'arriver. Alors, je voudrais avoir des produits pour ma santé globale. Voilà. C'est, tu sais, j'ai... surtout quand on a un budget à respecter, tu sais, j'aime, tu sais, vous savez, j'ai la collection et je prends pas mal, tu sais, tout. Ici, là, vous avez une multivitamine et minéraux complète. Et avec, encore une fois, des éléments pertinents pour autant pour la santé cérébrale que... Et vous allez voir dans les allégations, vous allez voir que ça soutient aussi la vie, la santé des os, tu sais, tout. Fait que ceci, donc, oui, le goût, tu sais, il y en a qui... Que ça... La première fois, tu peux faire comme « Oh, OK, mais il n'y a pas... c'est pas... » Je vais avoir la langue jaune parce qu'il y a du complexe B dedans. Mais c'est pas « Oui, on s'installe, on ne la prend pas la poignée d'un coup, c'est pas du bonbon. » Non. C'est vraiment des ingrédients. Mais tu sais, vous avez des vitamines, vous avez du resveratrol, vous avez... probablement aussi, vous avez des bioflavonoïdes d'agrumes aussi. Tu sais, il y a du fer, de l'iode. C'est de tout en 5 pilules, puis t'en repasses plus de la journée. Puis ça fait vraiment, pour revenir d'une grippe, mettons, une semaine, mon chum, ça a fait la grosse différence. Puis moi, 3 semaines, ça... je voyais ma différence, puis après, tout a enchaîné, là, tu sais, il est allé mettre dans ça du molybdène, du vanadium, tu sais, moi, quand j'ai reçu, et on peut même la prendre comme vitamine prénatale, ça fait partie des allégations, c'est vous dire à quel point c'est complet, avons-nous besoin de le prendre si on prend soutien santé? Ici, c'est vraiment pour une santé générale. Soutien santé, c'est pour les 5 axes du vieillissement. Moi, je navigue entre les deux parce que vous avez du resveratrol, vous avez de l'hydroxytyrosol dans l'autre, tu sais, vous avez des compléments, mais vous avez aussi, par exemple, dans l'autre, le collagène et tout ça. Donc, un est vraiment axé pour vieillir en santé, tandis qu'ici, c'est pour être bien maintenant pour tout le monde. Tu sais, donc, si vous avez les deux, je trouve que c'est pertinent d'en prendre une journée, l'autre journée. Comme ça, on a cet éventail de bienfaits, là. Parce que c'est des petites composantes, mais tellement actives. Tout est pharmacologiquement actif et a des effets. Pascal, de dire qu'elle la trouve quand même bonne. Oui. Mais tu sais, quand c'est aussi dense et quand il y a autant d'ingrédients, je me sais, des dizaines, là, de vitamines et minéraux, on peut pas, tu sais, faire un... C'est pas un bonbon, donc c'est juste ça que je voulais dire. Une idée, là. Puis, c'est intense parce que tout est là. Donc, oui, tu sais, encore une fois, on prend pas ça. Puis, fait que c'est bien, tu sais, de quand on est... Quelqu'un disait qu'elle était un peu étourdie quand elle en prenait. Ça se peut parce que c'est vraiment très actif, encore une fois. Si je comprends bien, je remplacerais la multi-ordinaire, pourquoi des minéraux et le complexe B. On peut
On peut remplacer ces trois-là par cela. Oui, absolument. Oui, parce qu'elle donne de l'énergie. Moi, j'ai... T'sais, ça donne de l'énergie. Ça... Il n'y a rien qui... Mais oui. C'est donc... Tu sais, parce que c'est une multi aussi. Donc, mais qui va chercher plus d'ingrédients. Il y a les minéraux nécessaires aussi. Et il y a le complexe B au bon... Et moi, c'est ça qui m'avait épaté, là. Le méthylfolate, par exemple, vous avez... je veux juste... Parce que je me souviens, tu sais, d'avoir vu justement dans les références scientifiques, il y a 160 microgrammes. Et si vous en prenez 5, vous arrivez au 800 qui est recommandé pour l'anxiété. Fait que là, j'ai fait, tu sais, tout est... Puis on peut faire ces équations-là avec tout, tu sais, j'ai fait, wow, bravo. Pour la trouver, vous allez dans, je vous ai écrit une description, Carole, dans ce direct. Sinon, vous allez sur le site maisonjacinthe.ca, vous cliquez sur projet d'été en haut, dans le menu du haut à gauche et vous allez arriver sur la multivitamine. C'est une vitamine, pas une expérience gastronomique, mais c'est pas si mal. Voilà, c'est tout est dit là-dedans. Ça goûte le médicinal, mais c'est le plus important, ce sont les bienfaits qu'on en retient après, oui. Tu sais, des fois, je vous demande de partager. Ici, c'est vraiment... rendre service, quelqu'un qui, comme toi, Chantal, était au bout. Oui. Ça peut être comme ton chum, quand ça, on traîne quelque chose. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé savoir, c'est ça qui, on dirait quand je ne réalisais pas, mais qu'est-ce que j'aimerais que tout le monde peut comprendre, puis tout le monde, c'est que peu importe qu'est-ce que tu as, il ne faut pas que tu manques de vitamines. Je l'ai vécu, puis c'est pas le fun. Il n'y a rien... Tu sais, oui, on survit, mais tout autour, même si tu veux devenir, j'essayais de, tu sais, comme plus stressé, comme on dit, mais quand tu perds tes cheveux, tes ongles, ta peau, il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est pas le fun. Tu sais, oui, tu vis, mais l'extérieur est pas en santé, là. Puis on le sait pas jusqu'à temps qu'on le vive, que les vitamines sont tellement importantes. Qu'est-ce qui m'a fait comprendre? Des fois, il faut passer à travers des difficultés. Avec les vitamines, c'est important. Absolument. Merci Chantal de nous partager tout ça. Je réponds à Jocelyne, oui, on peut continuer la vitamine C, les oméga, le magnésium à 100%. Tu sais, magnésium, vous pouvez en prendre un peu moins parce que allez voir la dose, tu sais, dépendamment de ce que vous prenez en ce moment, moi je prends quand même 3 capsules de magnésium. Tu sais, ici on a 64 milligrammes de magnésium. Donc, regardez, fait que si vous en prenez 3, vous faites 3 fois 64 et regardez, soustrayez ça de la quantité que vous prenez de magnésium. Des oméga, il n'y en a pas ici. Donc, oui, on en prend. Les oméga sont essentiels. La vitamine D, il y en a. C'est essentiel. Le magnésium, un grand pourcentage en manque et c'est essentiel aussi. Donc, tu sais, puis tout le reste, vous l'avez pour être bien. Et c'est un must, dit Nicole, oui. Mais allez lire aussi les beaux témoignages. Lise, te remercie pour ton beau témoignage, Chantal. Tu sais, je vous connais, puis tu sais, je remets ça de savoir. Tu sais, c'est drôle, hein, comment, parce que je me lis, tu sais, d'amitié, d'affection pour vous, puis on se voit, tu sais, des fois deux fois par année, des fois une fois par année, puis de savoir que ça t'est arrivé, puis tu vas mieux aujourd'hui, Chantal? Oui, j'ai appris à penser à moi. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais mieux. J'ai des open comme tout le monde. On a, tu sais, finalement mon chien est mort avant Noël. On a été obligé de l'euthanasier avant Noël, puis il y avait pas de en Ontario, il n'y a pas de vétérinaire. C'est comme depuis la COVID, là, des fois, quand elle était malade, j'appelais 12 vétérinaires à quelqu'un prendre en urgence. Puis Max est revenu de Trenton cette fois-ci, puis il est descendu direct à Mégantic où j'habite. Ma mère a trouvé un vétérinaire qui l'a pris, puis ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire avec. Tu sais, les German Shepherds, ils ont de la difficulté avec leur système digestif souvent. Puis ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je me dis qu'elle se bat pour ça. Puis c'était fini, mais ça a été difficile, mais au moins il me reste ma golden. Elle avait quel âge?
5 ans. 5 ans? Oui, juste 5 ans. C'était... Oui. Oh! Oui, pour fille. Oh! Elle a... Oui, elle était très, très mal. Très malade. Oh, je suis vraiment désolée. Non, c'est pas évident. Dès qu'ils ont quelque chose, je les regarde, ils sont ici à côté de moi. Bien. C'est comme nos enfants, on stresse autant quand mon garçon n'allait pas bien, puis j'en ai fait des appels, puis on veut trouver le meilleur, de la crème, puis on est, oui. Linda dit, je sais que c'est difficile de faire le transfert vers le naturel. Le magnésium complexe B au moment opportun, lâche pas, que chaque chose en son temps, oui. Et Hélène a dit, elle trouve que la totale goûte bonne. Oui. Elle goûte un peu surette. Écoutez, tu sais, oui, moi, j'aime mieux vous dire que ça goûte le médicinal puis que vous soyez agréablement surprise. Moi, la façon que je le prenais, le matin, c'était trop occupé. Mais quand j'arrivais au midi, j'avais mon petit contenant avec mes 5 pilules. Puis avant de manger, j'y prenais. Puis après ça, c'est comme si... au début, tu trouves que ça peut goûter santé, mais à la fin, ça devient un goût normal. Puis je mangeais après... Tout allait bien. Fait que j'ai pas... Puis elle donne pas mal à l'estomac non plus, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec mon estomac. Ah. J'ai trop. En tout cas, j'ai une affaire de clapet qui ferme pas l'acidité, là, mais ça c'est donne pas du tout mal à l'estomac. Fait que ça, c'est un bon plus. Là. J'ai vu quelqu'un qui la mettait dans son shake, mais ce sont des comprimés. On peut pas la diluer dans l'eau, là. Peut-être qu'on peut la broyer. Broyer au mortier. Aujourd'hui, c'est la multivitamine, la totale, qui est épatante. Rien comme ça n'existe sur le marché. Non. Moi, j'ai demandé au pharmacien, j'ai dit, je veux une formule qui va remettre les gens sur pied. Une complète. Qu'est-ce que tu veux prendre? C'est quoi ton idéal de multivitamine? Et minéraux, il y a les minéraux, mais il y a plein de composantes aussi, comme le resveratrol. Oui, il y a de l'astaxanthine aussi dedans. Je dis, qu'est-ce que toi, tu prendrais? Qu'est-ce que tu veux avoir dans ton arsenal quand tu as des consultations? Qu'est-ce que tu veux référer? Hélène, elle suce comme des bonbons, c'est ça. C'est de la posologie, parce qu'encore une fois, il y a une quarantaine de vitamines, minéraux, plantes, extraits, tout ça est ici, là. Et pour, tu sais, ça rentrait pas tout dans un comprimé, là, il aurait fallu qu'il soit gros de même. Fait que c'est 3 à 5, oui, pour avoir la dose pour se remettre, justement, sur le piton. Moi, je prends 3 maintenant. Fait que j'ai commencé par 5, par exemple, pour jusqu'au mois d'avril, pour sûr, avril, mai même, je pense. Et, tu sais, Marie-Christine qui traînait quelque chose comme ton chum, et je tiens à mentionner que le chum de Chantal, c'est un grand gaillard. Il est jamais mort, c'est ça le pire, on riait de lui. Il est costaud, puis il travaille, tu sais, je veux dire, c'est très physique aussi, là, tout ce qu'il fait. Et tu sais, quand ça traîne, quand on a quelque chose qui traîne, ça va faire la différence, selon vos témoignages, encore une fois, mais on l'a formulé pour ça. Donc, n'hésitez pas à en prendre 5 à ce moment-là, c'est la posologie. Vous allez le ressentir la journée même, sûrement, là, tu sais. Oui. Encore une fois, oui, on peut prendre ceci avec d'autres vitamines. Tu sais, comme, oui, il y a du sélénium dedans. Tu sais, moi, je prends quand même le reste, là. Mais ici, ça peut remplacer la multivitamine, les minéraux. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt que ça pouvait remplacer? C'est juste qu'il n'y a pas d'oméga dedans. Après ça, on a des formules spécifiques. Donc, pour la santé cérébrale, tout ça, donc c'est différent. Mais si c'est des vitamines, des minéraux et des plantes, c'est complet pour être en santé, rester en santé et se remettre sur le piton si on n'est pas en santé. En gros, c'est ça, là, tu sais. Donc, c'est épatant, ça n'existe pas. Moi, j'ai donné, encore une fois, je ne donne aucune limite à nos formulateurs et c'est ce que ça a donné. Je leur dis, on s'arrangera avec le prix après. Il y a beaucoup d'événements stresseurs, oui, il faut de, oui. Tu sais, puis t'as demandé de l'aide, puis je sais que c'est difficile aussi des fois, c'est pas... les billets pour la foire, on devrait les avoir mardi, on a eu de la difficulté, ça fait comme 10 jours qu'on essaie au niveau de la programmation, parce que
Si c'était juste un billet, ça irait, mais c'est parce que je veux vous remettre l'argent sous forme de code QR pour que vous, quand sur place là, avec vos achats, et c'est ça qui est compliqué. Donc, mais probablement mardi, là, tout le monde est en congé. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre notre multivitamine totale, pardon, notre multivitamine de base et une multivitamine haut de gamme, extraordinaire, pour les enfants, pour tout le monde. Ici, on est ailleurs. C'est aussi une multivitamine, mais beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche et beaucoup plus grosse aussi. Là, tu sais, il y a plus de compléments dedans. Donc, tu sais, comme quand on est bien, quand on n'a pas d'éléments stresseurs, on peut prendre une multivitamine comme la nôtre parce qu'elle est haut de gamme et en version méthylée, tout ce qu'on veut, avec les bons sels aussi dedans. Mais après ça, si on a besoin d'un plus, là, on a ceci comme outil. Oui. Et Jean-François, il dit, il est en santé, il prend une à deux par jour et ça lui suffit. Ça lui suffit parce que, oui, et oui, sinon, c'est en même temps, Luce. Louise, elle me remercie. Je regarde juste, question, si on prend soutien santé, la totale, est-ce qu'on diminue la totale? Moi, je ferais une journée soutien santé, l'autre journée la totale. C'est comme ça que je le jouerais pour pas avoir trop de... Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir de trop, là, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Des fois, il peut y en avoir avec certaines composantes, mais pas dans ce qu'on propose. Il y a juste le chardon-marie qu'il faut pas dépasser un seuil. Donc, c'est pour ça qu'on fait soit métabzène ou soit détox. Ici, moi, tu sais, on a des mêmes composantes qui se recoupent. Donc, c'est pas nécessaire de prendre les deux. Fait que moi, je fais un jour multi, total, et l'autre jour soutien santé. Quelqu'un qui a 60... Ben, Ginette, si vous êtes en santé, vous pouvez prendre la multivitamine. Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez aller avec la totale. Moi, j'essaie... Aujourd'hui, la totale est en spécial, fait que j'irai avec la totale pour essayer, parce que... Oui, c'est bien. Et chercher dans l'alimentation toutes ces composantes et de les métaboliser. Très, très difficile. Je regarde s'il y a d'autres questions. Les billets pour la foire, ça sera 20 $, 20 $ qui seront remis et ça va être limité. Je veux dire, on a une quantité limitée parce qu'on a à peu près 2000 places de stationnement. Tu sais, on peut pas dépasser ça, là. Fait que ça sera, tu sais, il y aura des billets pour samedi, il y aura des billets pour dimanche et le 20 $ vous sera remis sur vos achats dans la journée. C'est ça que j'essaie de... Donc, théoriquement, ça ne coûtera rien. Puis là, on est en train de regarder pour avoir des masterclass avec différents... ça va être très agréable, comme celle que vous avez eue dans le passé. Pour voyager en avion, on les garde dans les contenants d'origine. Moi, j'apporte, ça dépend combien de semaines on part, mais moi, je les mets dans des contenants, là. Je pars pas avec toutes mes bouteilles parce que je les prends toutes. Et Doris a dit, je vais faire mes provisions. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut prendre du jus d'orange en même temps? Vous pouvez, si vous avez un bon jus d'orange. Parce que le nôtre est excellent. Mais souvent, dans le jus, il n'y a plus grand-chose aussi. Quand je pars en voyage, j'apporte la totale. Oui, c'est une bonne idée. Oui, tout est méthylé chez nous. Notre complexe B est méthylé aussi, Hélène. Dites-vous que ce qu'il faut avoir, on l'a. Je ne sais pas. Prendre une totale une journée, la multi l'autre journée, oui, c'est une bonne idée. Excuse-moi, Chantal. Mais c'est des questions pertinentes. La date d'expiration, d'habitude, c'est 2 ans. 20, là, ben, tu sais, quand, depuis, dépendamment de quand vous l'avez, mais sinon, mettons, tu sais, la date d'expiration, elle est dessus, mais normalement... 2 ans, oui, parce qu'elle est neuve, puis je viens de l'avoir, puis c'est 2026. Oui, c'est ça, 2 ans. Mais ça, tu sais, voilà. Mais ça se peut que vous... Ça passe au travers avant 2 ans. Si tu veux, quand tu vois qu'est-ce que ça donne, tu continues. Chantal, merci. Tu as tellement eu des beaux témoignages percutants. Tu aides les gens. Merci d'avoir
Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. mais tu es correct aujourd'hui? Oui, on trouve nos solutions. Puis j'avais de l'aide autour de moi. Si le monde aurait vraiment vu qu'est-ce que je passais à travers, c'est juste qu'on dirait que j'avais pas honte, mais on dirait que j'avais pas le temps d'être malade. J'avais juste... On n'a pas le temps d'être malade. C'est terrible. On n'a pas le temps d'avoir quelque chose dans notre horaire de plus. Oui. Sinon, tout devient perturbé. Je sais très bien. Mais les gens te remercient. C'est sûr que quand on va pas bien, on va voir un spécialiste de la santé. Je vous souhaite d'en trouver un, tu sais. Et après ça, ben, tu sais, le Sauve qui peut a pu aider, la Fontaine de Jouvence a pu aider à se reminéraliser, revitaminiser. Et ici, vous avez une... Mais peu importe, je pense que qu'est-ce qu'on vit, on est mieux de prendre des vitamines, de la totale. C'est juste 5 de plus par jour qui se prend super bien, ça se traîne bien, puis ça va commencer tout de suite pour ne pas avoir des impacts plus tard. Ils m'ont dit que ça prend 3 mois des fois avant que le corps ait le choc, que tu n'aies plus rien, que là, ça... Puis pour moi, c'était vrai parce que, mettons, septembre, octobre, novembre, décembre, puis janvier, j'ai eu comme le choc où ce que tout mes cheveux, mes ongles ont arrêté. Si j'avais commencé le tatouage, j'aurais été... Ça aurait été moins pire, j'imagine, parce que j'aurais rien manqué. Donc, tu vas permettre à des personnes qui commencent peut-être ou qui sont peut-être à terre de ne pas se rendre jusque-là et de ne pas perdre des poignées de cheveux. Oui, parce que oui, je comprends très bien. Et ça n'aide pas le stress. Le moral, non. Et Hélène dit merci, Warrior Princess. Et les gens t'envoient plein de positifs. Merci, 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 Chantal. Et j'espère vous voir cet été. J'aimerais vraiment ça, oui. La belle famille. Ça sera le 24-25 août, la foire. Voilà. Puis il y aura, mais encore une fois, ne réservez pas tout de suite parce qu'on aura un petit rabais à l'hôtel à côté si jamais vous voulez. C'est parfait. OK. Pas loin. Si vous avez de la route à faire comme vous. Chantal, merci, merci, merci. Au hug. Oui. Et à bientôt. Merci. Bye tout le monde. Bonne journée.